Ah, heureux d'avoir pu vous trouver. Je crains qu'on ne sabote ma prochaine réunion. Des briseurs de grève, peut-être même la police. Des gens impatients d'entraver la marche du progrès. Ah, me voilà garde du corps. Merveilleux. Toute agitation risque de déclencher de terribles violences. Alors éloignez les fauteurs de troubles sans attirer l'attention. Wunderbar. Merci. Je dois me préparer, nous nous reverrons à l'intérieur. Mesdames et messieurs, il est inutile de présenter celui que nous sommes venus aider, mais je vais quand même le faire. Il a consenti à tant de sacrifices pour notre bien à tous. Merci d'accueillir chaleureusement Monsieur Karl Marx. Ouvriers, camarades, merci de votre chaleureux accueil. C'est le cœur lourd que je me présente devant vous. L'Angleterre est à la pointe de l'industrie et du commerce en Europe. Les deux dernières décennies ont été marquées par une explosion de la production et une augmentation sans précédent des exportations. De la classe ouvrière. Aujourd'hui, aucun perfectionnement mécanique, aucune application de la science à l'industrie, aucune amélioration des moyens de communication, aucune colonisation, ouverture de nouveaux marchés, libre-échange, ni même l'ensemble de ces événements ne parvient à chasser la misère des classes laborieuses. Bien au contraire, chaque nouveau développement de la puissance productive du travail ne fait qu'élargir le monde par les classes et renforcer les antagonismes de la société. En cette période de progrès économique, la famine s'est élevée au rang d'institution sociale. Ici même, à Londres, la capitale de l'Empire britannique, dans les annales de l'histoire humaine, cette époque se distinguera par le social, connu sous le nom de crise économique et industrielle. Le fléau le plus impétueux, à la misère vaste et aux effets les plus cruels. Je suis persuadé que le monopole des outils de production, le moyen de domination et d'exploitation des ouvriers, n'est pas indispensable. À l'instar de l'esclavage et du servage, le travail salarié n'est qu'une forme d'organisation sociale transitoire destinée à disparaître face au travail organisé qui accomplira son œuvre le cœur vaillant, la main ferme et l'esprit déterminé. On a dit que la chambre des était une assemblée de propriétaires. Je vous le dis aujourd'hui, la prise du pouvoir politique est désormais le vrai devoir de la classe ouvrière. Mais nous voulons aider les messieurs. Entrez tous chez vous. Sauf ce bon monsieur Marx. Lui, j'ai deux mots à lui dire. Restez là. En effet. Oh, si. Il faut toujours qu'il complète. Vous avez rendu un grand service aux ouvriers de Londres. Je suis sûr que les réformes que nous espérons sont pour bientôt. Mais je doute que vous adhériez au Parti des Travailleurs. Je n'aime pas trop la politique. Il n'aime pas trop les choses qui l'obligent à réfléchir.
Mais vous, adhérerez-vous, camarade Evie ? Je crains d'avoir des tâches plus pressantes. Alors peut-être comme membre honoraire. Vous n'abandonnez jamais, hein ? Je crois que nous avons cela en commun. Envie de zen, mes bons amis !